Ah, enfin des vacances. Ah, ça tremble un peu là, un peu de turbulence. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, attends, attends, ça tremble beaucoup là. Non, non, pas de crash, hein, pas de crash. Oh non. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mon avion vient de se crash. On est où là? Oh non, on est sur une île. Y a personne. Allez, c'est parti pour une aventure survie. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, notre avion vient de se crash. On partait tranquillement en vacances. Et ben, je pense que les vacances, ça va être ici finalement, sur cette île perdue au milieu de nulle part. Déjà, on va commencer par fouiller un petit peu l'avion, voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Oh. Ok, il y a également des zombies. Waouh, attends, 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 il y a des coffres et tout. Attends, il y a plein de trucs à trouver là. Bon alors, on va commencer par ici. Au revoir, on va commencer par le cockpit. Je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu s'il reste des choses. Peut-être des survivants, c'est jamais. Il y a la soute ici. Alors, on va passer par là. Voilà. Alors, on a des axolotes. Ok, c'est pas ça qui va nous sauver. Après, ça nous fait plein de sauts. On va libérer les axolotes ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, une arbalète et des flèches. Bah dis donc, je sais pas qui transportait ça, mais bravo à lui. Hein. Tiens, d'ailleurs, parlant de zombies. Tiens, frérot, tu veux tester ma nouvelle arbalète? Je viens de la trouver. Allez, tiens. Boum! Ah, voilà, il est mort, tiens, boum, toi aussi, voilà, merci. Merci au frérot qui a pris une arbalète dans ses bagages, en tout cas, hein. Tu peux lui dire merci en commentaire. Ok, attends, c'est quoi, j'ai une idée, voilà. Alors, tous les colorants, d'accord, ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on a? Des œufs de spawn pour des chevaux, des armures, des sels. On a du blé pour la bouffe. Ok, un max de redstone. Attends, mais tout le monde a pris ses affaires en fait. Waouh, des pioches et du fer. Ok, des CD, ça pour l'instant c'est pas la peine. Les colorants, waouh, encore des minerais ici, on va prendre. Pas mal hein, franchement. Waouh, une table d'enchant et de l'XP. Non mais attends, mais ils ont pris toutes leurs affaires en fait, c'est incroyable. Bon, le colorant, on va juste prendre le bleu ou le rouge, tiens, et ça. Voilà, il va nous falloir un coffre là, on a trop de trucs déjà. Alors, il y a un poisson chat, attention. Bien évidemment, t'as intérêt à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette aventure incroyable. Parce qu'aujourd'hui, on survit à un crash d'avion, que t'es pas remarqué. Alors, déjà, on va fusionner ça. On a déjà une pioche, c'est très bien. Écoute, on va prendre un petit peu de bois. Il y a des morceaux d'ailes un peu partout. On n'a même pas le temps de fouiller déjà tout l'avion, qu'on a déjà trouvé des trucs super utiles en vrai. Hein. Alors, on va se casser tout ça tranquillou. Voilà, très bien. Et puis la base, on va se fabriquer une table craft et surtout un coffre, je pense, pour ranger un petit peu nos trouvailles. Hop, s'il veut bien nous fabriquer la table craft, merci. Hop, mets l'inventaire comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, on va commencer par un coffre aujourd'hui pour ranger des trucs parce que là, c'est plus possible. Alors, on va ranger tout ce qui n'est pas urgent. Les bouteilles d'XP, on va se les donner. Toi, tu prends pas de dégâts, toi. Comment c'est possible que tu es en dehors de l'eau et que tu prennes pas de dégâts? Tu nous attaques pas en plus. Ah, voilà, tu prends des dégâts. Ok, c'est quelque chose de bizarre. Alors, les bouteilles d'XP, on va s'en donner un petit peu pour libérer de la place. Ah, c'est marrant, elle se balance pas vite en bedrock. Tiens, d'ailleurs, la bouteille d'XP me parle. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'il y a seulement 10% des gens qui regardent les vidéos qui sont abonnés. Toi là qui est pas abonné, ouais, ouais, je te parle à toi. Allez, abonne-toi, active la cloche. Ça prend 3 secondes, hein. Rejoins mon équipage. Et oublie pas, je sors une vidéo tous les jours. Tiens, on va ranger les axolotes aussi. Voilà. Ça aussi pour le moment. Et ça aussi. Ok. Ah bah, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, pour la bouffe, on avait une solution incroyable. On a trouvé du blé. On va s'en servir. Hop, waouh. Alors, je demandais peut-être pas autant de blé que ça. Bon, en vrai, c'est pas grave, ça peut toujours servir. On va ranger le reste pour l'instant ici avec ça. Les flèches, on va garder. Et ça, on va ranger. Ok. Très bon début d'aventure. Il nous faudra un four et tout, etc. On a plein de trucs à récupérer, les potes. On va continuer de fouiller l'avion. Donc voilà, n'hésite pas si tu n'es pas abonné et que tu regardes une vidéo régulièrement, bah n'hésite pas frérot, ça fait toujours plaisir. Je propose qu'on aille voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Là, il y a d'autres coffres ici, alors je sais pas si c'est pour décorer. Ah oui, forcément on est repoussé par les trucs. Alors, oh, de la bouffe, un briquet. Décidément, un trident. Il y a un autre coffre derrière. Oh, il y a un casque respiration, super. Alors, pousse-toi s'il te plaît. Merci, ok. Alors déjà on va mettre le casque respiration, comme ça déjà voilà, on pourra respirer sous l'eau. Tiens, toi tu veux jouer au trident? Tu veux voir c'est qui est le meilleur trident? Tu vas voir, rends-moi ça toi. Rends-moi mon trident. Ah merci, elle vient de battre. Voilà, il doit y avoir un spawner quelque part pour qu'il spawn comme ça. T'es sérieux frérot? Alors ça c'est un poisson chat, non c'est un poisson globe qui nous a empoisonné. Alors là c'est bon, c'est récupéré, là c'est bon. Là-bas il y avait le casque, ici il y a des trucs dans les passagers, je ne crois pas. Hein. Non ouais, c'est pour décorer. Alors ok, franchement cet avion est ultra intéressant. Heureusement qu'on pouvait commencer avec ça, ça nous a donné un bon avantage de départ. Alors allons voir par ici un petit peu. Il y a encore des trucs dans la soute en bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Une pelle et un peu de pommes de terre et tout. Encore des pommes de terre et une... Ouh, d'accord, le jeu nous aide vraiment en fait. Un casque et une hache, ok. Encore des carottes. Bon, une deuxième houe, c'est pas la peine. Et là-bas, on a un début d'armure. Non, mais dis donc. Mais dis donc, il y a tout dedans, regarde. Eh, j'ai pas miné une seule seconde, regarde le stuff que j'ai déjà. En plus, je viens de choper une hache incroyable. Incroyable. Alors la question c'est où est-ce qu'on s'installe? Moi, je pense pas à côté de l'avion, on sait jamais, ça peut toujours continuer d'exploser et tout, etc. C'est dangereux. Après, le problème, c'est ce coffre aussi. Il va falloir faire un aller-retour dans tous les cas. Ça c'est sûr, ça on en a pas besoin. Ça on en retrouvera, c'est pas la peine non plus. On va prendre les trucs essentiels là-dedans, c'est-à-dire le blé, les sels. Rien n'est vraiment essentiel en fait. Hein. On pourra repasser prendre des trucs. On va laisser les pioches. Ouais, ça me paraît pas mal là. Bon alors, on va essayer de trouver un endroit posé pour construire notre base. C'était pas juste à côté de l'avion, j'avoue. On va se balader un petit peu à la recherche d'un coin tranquille. Ça peut être sympatoche. On a un très joli volcan ici.
Avec du diamant. Ah oui. Ah ouais. Je me demande si on va pas là-haut direct. Là, il y a une jolie caverne. Ah ouais, la caverne est quand même giga intéressante. Hein. Mais nous, on va pas s'installer juste là. On va s'installer un peu plus loin. Il y a un creeper ici. Je t'ai vu, creeper. Voilà, meurs. Merci. Oh, il a failli exploser. Hein. Regardons un petit peu si on n'a pas un coin. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, les potes? Waouh. Un temple. Waouh. Sérieux? Sérieux? Oh, la bouffe qu'ils ont. Mais c'est quoi tout ça? C'est des offrandes ou quoi? Alors, c'est très joli. Ça fait un peu un cas. Donc, il y a des gens. Est-ce qu'ils sont vivants? Non, ça va. On dirait qu'ils sont pas là. Heureusement, parce qu'à mon avis, je sais pas s'ils sont sympathiques ou pas. En vrai, il y a une maison sympathique. J'hésite si on s'installe pas dans la maison. Oh, salut! Oh! Ah ouais, attends, mais calme-toi! Waouh! C'est comme ça vous dit bonjour aux gens que vous connaissez pas, vous. Oh, il y a un joli coin ici. Il va nous attaquer, j'imagine. Si? Quoi? Ça dirait des villageois un peu. Ouais, je sais pas. Lui, il attaque pas, par exemple. Bon, on va pas l'attaquer s'il attaque pas. Soyons sympathiques. Toi, t'attaques pas non plus. Non, t'as pas l'attaquer non plus. Et là, il y a quoi, là? Waouh, que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, les potes? Donc, il y a des Incas, Mayas, je sais pas trop, mais ils ont des maisons et tout. Ils sont juste à côté de l'avion, d'ailleurs. On a trop de trucs, hein. Faut qu'on dépose des trucs, faut qu'on dépose des trucs. Tiens, les nonos, comme ça, je vais pouvoir récupérer ici le four rapide à nourriture, qui, je pense, va être très utile. Ils ont du blé et tout, etc. Après, là-bas... Ah, c'est marrant, regarde, c'est pas une île, on continue. Ah si, c'est peut-être une île, attends, fais voir. Salut, t'attaques, toi, t'attaques, hein, je le sens. Ouais, toi, t'attaques, ok. Je sais pas, c'est aléatoire. Bon, c'est des pillageois, je pense, c'est l'équivalent, ils sont déguisés. Ah, c'est vraiment une île, hein. Mais pas complètement perdu, tu vois, regarde, on a un continent là-bas. Après, on reste sur l'île, hein. On est quand même là pour rester sur l'île, on va pas tricher non plus. On s'est écrasé ici, on reste ici. Alors, je cherche quand même un coin tranquille, il y a encore des mobs ici. Vous attaquez pas. Oh, je sais pas, dans le doute, hein. Waouh! Alors, bah écoute, le blé, hein, on en a 1 milliard, on en ramassera encore. Je dis, ça peut être sympa. Ah, peut-être que là-bas, il y a un coin tranquille, là. Ouais, c'est vraiment une île tropicale, au milieu de nulle part, c'est rigolo. Là, ici, il y a une petite maison. Ouais, j'ai une idée. On va se faire une base temporaire d'abord au niveau de l'avion, je pense. Pas trop loin, mais pas juste à côté non plus. Histoire de pouvoir accéder à la gigamine. On a vu qu'il y avait une super mine. Si on s'installe là, tu vois, on est un peu loin de tout, ce qui n'est pas très pratique. Donc, je pense, on va plutôt s'installer. Ouais, l'avion, c'est par là. On va peut-être éteindre les incendies. Tu sais quoi, on va éteindre les incendies. Tout ce qui fume, etc., on va l'enlever pour éviter qu'il y ait d'autres trucs. Donc là, on va éteindre. C'est-à-dire, on va prendre un seau. Voilà, on va manger ça. Attends, mais j'ai pas besoin de pain. J'ai trouvé de la viande, c'est vrai. Ça fait de la place. Comme ça, on peut avoir un seau. On va éteindre tout ce qui fume, les potes, par sécurité. Genre le moteur, par exemple, le morceau de moteur ici, là, tu vois, comme ça, le morceau d'aile. On va éteindre par sécurité. Alors, normalement, si on met de l'eau, ça éteint. Fais voir. Ouais, ça éteint. Donc là, on va éteindre tout ce qui est en flamme par sécurité, histoire d'éviter qu'il y ait d'autres incidents. Enfin, on va éteindre ici, tu vois. Là, les moteurs sont encore en flamme. Alors, on va éteindre toute la partie moteur. Voilà. Voilà. Toi, là, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux, frérot? On est en pleine survie, là. Pourquoi tu nous embêtes? Tu vois pas que je suis occupé à éteindre les flammes de l'avion? Ok. On va s'assurer, les potes, qu'il n'y ait pas de danger. Je pense que si on éteint toutes les flammes, on devrait pouvoir rester à côté sans que ça explose. Voilà. Voilà. Ok, il y a beaucoup moins de flammes. Il y a encore un moteur en feu ici. Enfin, un réacteur, c'est pas exactement pareil. Plutôt un réacteur en feu. Ok. Un morceau là. Ok, ce moteur-là n'est plus en flamme. Ah, mais il y a du feu dans la cabine. Ah, bah oui. Il reste de l'éclairage, hein, c'est marrant. Pareil, là aussi. Ok, je pense qu'on est pas mal au niveau de l'extinction des feux. Ah, c'est pas mal. Il reste un peu de lumière, mais c'est l'avion qui est éclairé. Donc ça, ça va. Ah, voilà, il y a encore un incendie dans le moteur ici. Ok, il reste deux petites flamèches par là et par là. Et on est bon. Faut absolument qu'on trouve un lit, les potes. Il y a beaucoup trop de zombies qui attaquent actuellement. Beaucoup trop de mobs. Ok, les potes, c'est vraiment pas mal. Regarde, il y a presque plus de flammes. Voilà, une flamme là et c'est bon. Ok, on est pas mal. Regarde, là, franchement, c'est pas mal du tout. Ah, bah tiens, il y avait juste une juste à côté de la base. Tiens, voilà. Ok, alors, on peut passer à la partie survie. L'avion a l'air plus ou moins sécurisé. Il reste des mini flammes à droite et à gauche, mais ça reste vraiment des petits foyers. On s'en fiche. Ça risque pas de complexifier quoi que ce soit. Alors, on va ranger les trucs parce que là, comme tu le sais, c'est pas possible de survivre dans des conditions pareilles. Alors, voilà. Je range tout ce qui n'a pas d'intérêt pour l'instant. Tiens, avec le diamant qu'on a trouvé, on va reposer notre table de craft et se refabriquer immédiatement ce qu'on pourrait appeler pioche. Voilà. Ok, la priorité numéro 1. Déjà, on a trident comme arme. On va servir notre trident comme arme. Ça attaque comme une épée, ça attaque de 8. Hein. Ça attaque comme une épée en isolite, c'est pas mal. Je remarque, on a énormément de fer qu'il faudrait qu'on mette au four. On a une hache de rechange qui sert à rien pour l'instant, qu'on va garder là. Ça, on va ranger pour le moment. Ok. Là, je remarque qu'on manque énormément de bois. Donc, c'est parti, on va récupérer du bois. L'aventure se passe pas mal. D'ailleurs, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher ton meilleur team capitaine dans les commentaires. Ça ça montre que t'es là. Je lirai les commentaires, donc fais-moi plaisir. Oublie pas le petit pouce bleu, ça prend 3 secondes, c'est juste un bouton. Et puis partage la vidéo autour de toi, à tes potes, ta famille, n'hésite pas, ça fait plaisir. Tiens d'ailleurs, les fils sont venus à un arc. Je suis pas trop team arbalète perso, donc ça va, j'aime bien, mais sans plus. Tiens, il y a un arbre ici à replanter. J'ai pas rangé la table de craft, bah, tu sais quoi, on va la poser. Enfin, la table enchante, on va la poser. D'ailleurs, j'avais vu qu'ils avaient des bouquins. Je sais pas si t'as fait attention, mais ils avaient des bouquins. Tiens, la table enchante fait de la lumière maintenant. Je savais pas, c'est peut-être en bedrock. Ils avaient des bouquins dans le village. On retournera au village, genre piquer des trucs vite fait. Pour l'instant,
l'instant pas trop. Ah, j'ai commencé à casser cet arbre là, ça se voit. Ça se voit. Hop. Allez, on va grimper pour casser le reste de l'arbre. On va pas laisser un morceau d'arbre qui traîne comme ça. Là, regarde, c'est pas sérieux. Allez, hop. Voilà. Parfait. Alors, comme je disais, il nous faudrait en plus du bois, il nous faudrait immédiatement, et je pense que t'es d'accord avec moi, il nous faudrait immédiatement de la pierre. Bah oui, pour un four et tout, etc. On a un four rapide à nourriture qui est là. On va le poser ici, mais pour l'instant, on n'a pas de bouffe à mettre au four. Par contre, il nous faudrait absolument mettre le fer qu'on a ici au four. Pour ça, il nous faut de la vraie pierre. Enfin, de la pierre, quoi, simplement. Que pour l'instant, nous n'avons pas. Je vais organiser le stuff comme ça. Voilà. On va aller en chercher. Attends, mais il y a des blocs de fer. J'ai même pas vu. Les débris de l'avion, c'est des blocs de fer. Ah ouais, attends, mais c'est trop fort en fait. Regarde, des morceaux de blocs de fer et tout. L'avion était. Bah oui, l'avion est en fer en fait. C'est logique. C'est logique. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque en fer? Bah là, attends, ça va nous aider de ouf. Attends, ça, ok. Ensuite, on est full stuff. Ensuite, je voulais fabriquer une cisaille. Ensuite, pourquoi pas une épée. Bah, ça attaque de 6, tu vois, c'est pas intéressant. Le trident, c'est mieux. Hein. Pour l'instant, en tout cas. Non, ces trucs-là, par contre, on va pas garder. Je t'avoue que ça sert à rien. Par contre, avec les cisailles, c'est bien de récupérer. J'ai vu un mouton passer tout à l'heure. Je pense que toi aussi. Attends, mais c'est incroyable que ce soit en fer comme ça. Alors, attends, il reste des morceaux de fer ou pas dans cet avion-là? Il y a des morceaux de fer là-bas. Ouais, parce que si c'est comme ça, on fabrique une enclume. On essaie de trouver des bouquins intéressants. On va aller miner, je pense. On va aller miner tranquillou. Je pense que ça peut être un bon timing de minage. Salut! Alors, un petit peu la flemme, je t'avoue, de vous fight là. C'est pas le moment. Ok, allez, meurs. Merci. Oh, il a donné un arc. Attends, mais ils sont giga généreux en fait. Ah, je t'avoue, on a deux arcs là. Même s'ils sont un peu cassés, si on les répare ensemble, ça devrait pouvoir faire un arc fonctionnel. Voilà, toi. Allez, boum, boum. Toujours tirer avec l'arc au max. Parce que sinon, oh, c'est du gaspillage. Ça n'avait pas les dégâts max. Ok, c'est bon. Alors, au programme. Au programme, les potes. Une enclume peut-être. C'est un peu tôt, mais en même temps, je dirais que c'est pas tard non plus pour ça. Hein, dans le sens où on a du fer. On peut la faire maintenant et on peut la garder avec nous. Ça peut toujours servir. Hop, voilà. Les nonos ici. Alors, au programme. J'avais vu un mouton là-bas. Là, on va essayer de le tondre. Voir combien de laine il donne. En plus, on a du colorant. Du coup, on peut choisir la couleur de lit qu'on a envie. Moi, je dirais un lit rouge. C'est toujours sympa le rouge, je trouve, en lit. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, il est où ce mouton? Parce que là, on avait vu un mouton. C'est vrai que c'est un petit peu dangereux. Il y a beaucoup de mobs en extérieur comme ça. Forcément, on est sur une île, hein, donc bon. Ah, salut. Ah ouais, non, mais d'accord. C'est vrai que là, j'avoue, flemme. Ou alors, on leur pique un lit. Attends, ils avaient des lits au village. Hein. Ouais, j'avoue, on pourrait s'embêter. Attends, il y a quoi ici? Oh, bah, il y a un lit là. Waouh, de la nésurite et du diamant. Non, mais c'est une blague. Oh, alors, attends, hop, ok, merci. Attends, si on se fait une table d'amélioration en nésurite là. Me dis pas qu'on peut avoir une pioche en nésurite. En plus, on est en bedrock, je crois qu'il y a pas besoin du truc comme en Java. Parce que les versions sont pas exactement pareilles. Tiens, meurs-toi. Hop, ça fait mal quand même. Hein. Attends, 1, 2, 3, c'est 3. Ouais, c'est 3 quand même. Après, avec un petit enchantement, ça fera le taf. Hein. Alors, on leur a piqué un lit, c'est ça. Attends, on va dormir maintenant, tu sais quoi? Attends, maintenant, quand ça va faire jour. Après, il faut qu'on aille miner. Alors, quand je dis miner, vu le fer qu'on a, c'est pas du fer. Hein. C'est du charbon, ça va être éventuellement du diamant. On va aller voir le haut du volcan parce qu'il y a du diamant en haut. Je sais pas si t'avais fait gaffe. Je t'avais dit tout à l'heure, il y a du diamant. Mais il y avait bien du diamant là-haut, donc on va aller voir. Déjà, je vais voir si je peux pas avoir une pioche en nésurite. Ce serait incroyable en ce début d'aventure d'avoir un truc aussi bien, aussi rapidement. Alors, le craft, il est simple comme bonjour. Est-ce qu'il y a besoin du truc, s'il te plaît? Dis-moi que non. Non, il n'y a pas besoin. Ouais, ça a pas été changé dans cette version-là. Excellent. Alors, et bah écoute, une pioche en nésurite, début d'aventure. Et on pourrait même être encore plus fou et faire ça, tu vois. Après, bon, c'est un peu foufou, je t'avoue. Mais il y a plein de trucs à faire, les potes. Il y a énormément de trucs à faire. Déjà, on va laisser notre lit, on va mettre notre point de spawn ici. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il meurt. Ce que je propose, les potes, d'intéressant. Trouver plus de diam, ça peut être bien. Garder la nésurite avec nous. On va garder la nésurite avec nous. On va garder ça avec nous. Comme ça, on s'embête pas à revenir ici si on a besoin d'améliorer quoi que ce soit. Déjà, on va aller voir le volcan. Je pense avant d'aller miner. Puis on va aller voir le village, genre piquer des bibliothèques pour avoir une table d'enchant niveau max. Parce qu'avec les bouteilles d'XP qu'on a, on va pouvoir tenter un XP niveau 30 sur cette magnifique pioche. Hein. Déjà, on va aller voir ce magnifique volcan. Ah bah, t'es là le mouton. Ah bah, tiens. Tiens, allez hop, ça va changer de couleur de lit, pourquoi pas. Ah, une laine. Ah oui, t'es pas généreux toi comme mouton. Frérot, sois un peu plus sympathique avec les gens. Une laine quoi. Regarde, il y a du diam, il y a vraiment du diam là-haut. Alors, toujours garder des blocs sur soi. C'est la base. Alors, je vais casser un arbre de plus parce que t'avoue quand même, je n'ai pas assez. Je pense, enfin, je trouve, je n'ai pas assez de bois. Voilà. On va replanter parce qu'on pense quand même à l'environnement. D'ailleurs, ça donne 1 milliard de pouces. Hein. Ça donne vraiment 1 milliard de pouces. Ah, il y a du diam, ça. Non, mais attends, mais t'as jamais un volcan avec du diam, frérot. Non, mais c'est incroyable. Après, c'est logique, hein, parce que ça crée des minéraux, les volcans. Ah, salut. Non, mais d'accord. En fait, je comprends pas. Il y en a un sur deux, vous attaquez. Des fois, vous attaquez pas. Tu m'as donné quoi? Un casque en fer. Ouais, non, désolé, j'ai déjà mieux. Du poisson, c'est non merci aussi. Alors, il y a des trucs ici à récupérer qui sont sympathiques. Est-ce qu'on... Ah, il y a encore du diam. Waouh. Je viens de casser un bloc, il y a du diam derrière. Les potes, c'est au volcan qu'on doit miner du diam. Regarde la quantité de diam qu'il y a. Pourquoi je m'embêterais? En plus, on a la nésurite, c'est incroyable ça. Alors, essayons de voir. Ah, c'est les nuages. Ah oui, il y a les nuages, bon, c'est pas grave. Alors, là, il y a le volcan, en effet. Ah, mais attends, mais c'est pour ça. Ça a des sacrifices au volcan. Ben oui, on connaît, on connaît. C'est là le diamant que je voyais d'en bas. Putain, mais attends, il y a du diam, c'est pas ce diamant-là que je voyais. Là, incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y en a pas un peu plus du diam qui traîne par hasard hein, parce qu'on est ici. Ah, bah voilà, il y en a. Non, parce qu'on est là, tu vois, je me dis autant en profiter. Écoute, s'il y a diamant gratuit. Ah, il y a du diam, ça va. Pourquoi on profiterait pas? Attends, mais il y a 1 milliard de diam, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a besoin de la miner aujourd'hui, limite? Combien de diamants j'ai dans l'histoire? 9? Ah oui. 10 même. Je t'avoue, un plastron en diam, parce qu'on évolue en
provisorite, ça nous protégerait de ouf. Je suis grave chaud. Après, faut être un peu plus dense parce qu'on va fabriquer les restes des outils aussi quand même. Attends, là, c'est un peu trop haut. Après, ça se trouve, les Inca Maya, je dis Inca Maya parce qu'on sait pas vraiment quel peuple il s'agit. Ça peut être des Aztèques aussi. Il n'y a pas qu'un seul peuple en Amérique. Il n'y avait pas qu'un seul peuple en Amérique du Sud. Donc, on ne sait jamais. Oh, il y a du diable. On va dire Maya, Inca, slash Aztèque. Voilà. Tu me diras en commentaire si tu as une idée plus précise du peuple qu'il s'agit. Hop. Après, ça se trouve, c'est pas un peuple précis. Hein. Ils ont juste mis un peuple cannibale qui essaie de nous manger. Voilà, je crois que c'est ça, hein, finalement, ce qui se passe. En tout cas, on est sûr qu'ils nous attaquent. Ça, j'ai plus de doute là-dessus. De l'émeraude. Alors, je sais pas trop si l'émeraude, c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est pas des villageois, donc on peut pas échanger avec eux, tu vois. C'est pas comme si, à chaque fois qu'on les voyait, on se fightait, quoi. Alors, combien de diamants ça fait dans l'histoire, tout ça? Ça en fait 18. 18, c'est très bien. En vrai, on pourra trouver le reste du diams, je pense, dans les mines. Mais déjà, rien que ce qu'il y avait en surface, là, du volcan... Non, c'est incroyable, il y en a encore, regarde. Ok, super. Vraiment une expédition incroyable, il faut le dire. Hein. Tout ce qu'il y avait dans ce volcan. Et encore, je suis sûr qu'on n'a pas trouvé les trois quarts du truc. Hein. Alors, si on allait voir nos copains. Bon, on va les appeler les habitants de l'île. Salut, t'attaques ouais. Tu vois, des fois, ils n'attaquent pas. Ils attaquent. Quoi, c'est les pillageois. Ils ont pas changé les sons. C'est clairement des pillageois. On reconnaît, frérot. Alors, ici, il y avait des bouquins. Voilà, les bouquins, tu le sais. C'est utile pour la table d'enchant. Pas plus de bouquins. Ils savent lire alors. Hein. Dis donc, ils sont quand même plutôt évolué comme peuple. Ils savent lire et écrire. Tiens, il y a un bâtiment qu'on n'a pas fouillé. La giga pyramide là-bas. Y aurait-il des trucs intéressants à l'intérieur? Ah, si on est allé. J'avais dit à ça. Attends, mais du coup, elle est en ruine la pyramide ou je comprends pas? Parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est un labyrinthe à l'intérieur. Ouais, ça mène à là. Après, tu ressors par ici. Ouais, ça va être un peu. Ah oui, tu ressors ici. Ok. T'es tout en haut de la pyramide. Ok. Ok, d'accord. Attends, il y a quelque chose là-haut, non? Là, par exemple, il y a rien là-haut là? Si, attends, c'est de grimper. Si on y arrive. Oui. Ah, il y a un coffre. Waouh. Ok, ça a des offrandes. Bah, Bah c'est des pastèques et des citrouilles quoi, je t'avoue c'est pas forcément le truc le plus fort du jeu. Toi t'attaques ou t'attaques pas? Tu vois des fois ils attaquent pas, toi t'as pas l'air d'attaquer. Après c'est quand même un pillageois hein. En fait j'ai l'impression qu'ils doivent attaquer par défaut mais ils sont un peu buggés, ils attaquent pas tout le temps. Mais clairement ils attaquent hein. Ok, alors je ramasse plein de trucs. Bon ça servira à la déco, au pire c'est toujours du moderne. Hop, alors. Ah ouais, bah non on est déjà meilleur que ça pour tout en fait. Au début d'aventure ça aurait été cool mais là on est bien. Enfin au début d'aventure, on est toujours en début d'aventure mais on est giga riche. On est giga riche donc bon. Bah écoute, c'est pas mal. Attends, ça pour faire des fours rapides, j'avoue, c'est génial. On va leur piquer un peu. Oui, je sais, je pique des trucs. Écoute, vous avez pas que nous attaquer aussi. Tiens, la petite maison là. Là, il y avait des offrandes, ouais, il y avait du steak. Là, il y a quoi là? Encore de la nésorite. Oh, il y a un secret. Qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, c'est bien ce que je dis, sacrifier les gens. Et dès qu'il y a un étranger, il sacrifie l'étranger. Bah heureusement qu'on s'est pas laissé faire. Hein. Voilà, on va repasser à notre base, les potes. On va repasser à notre base tranquillou. Alors, on a un peu de bouquins, mais pas tant que ça. Attends, il y a un. Wow. Attends, regardez qui y a au milieu de l'avion là. Tu crois que je vais te laisser fouiller les valises, frérot? Allez, meurs. T'as rien à faire là. Meurs, j'ai dit. Attends. Ah, bah, il est en train de partir tout seul dans l'eau. Attends. C'est vrai que les flèches marchent pas trop bien dans l'eau. Allez, meurs. Meurs, j'ai dit. Voilà. Tu veux quoi, toi? C'est vrai qu'il y a des. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mobs ici. Mais attends, ils spawnent forcément dans un truc, hein. Vous voulez jouer au trident? Qui lâche le trident? Ouais, peut-être pas en vrai. Ouais, peut-être pas parce qu'en vrai, après, j'ai la flemme de récupérer. Par contre, je dis pas là, trouvez votre mob spawner, vous, à vous, là. Hein? Faites les malins comme ça. Ah, il y a un spawner là. Attends, on va essayer de le trouver, le spawner. C'est pas possible. Allez, meurs. S'il te plaît. Merci. Toi, là. C'est fini. Oui, toi aussi. Meurs. Voilà. C'est bon, on est tranquille. Alors, où est-ce qu'il est, spawner? Bizarre. Pas de spawner, mais pourtant il spawn. Forcément un spawner quelque part, non? Alors il est pas là. Ou alors en dessous de ça. Ou alors c'est en commande. C'est possible que c'est en commande aussi, hein. Bon, on va remonter parce qu'on va plus avoir d'oxygène. Bon, les potes. Ça se présente pas mal en vrai. On va retourner à la base tranquillou. Ok les potes, nous voici à la base. Alors j'ai ramassé un coquillage encore une fois. Ok. Donc le programme les potes, c'est d'aller miner, je pense. On est pas mal en vrai en termes de tout ce qu'il faut. Faire un champ aussi, ce serait pas mal. J'avoue, on a un seau et tout, on a tout ce qu'il faut pour ça. On a même un petit endroit qui a commencé à se transformer en champ ici. Hop, alors attends, normalement faut une cisaille pour ça, enfin faut une houe. Alors j'ai envie d'essayer un truc. Normalement si tu retournes la terre, ça se transforme en terre classique. Est-ce que ça marche? Alors oui ça marche, sauf qu'en fait il y a de l'eau. Faudrait enlever l'eau. Voilà, et normalement. Ah voilà, ça revient à la terre classique. Ok, comme ça on transforme cette terre là en terre classique. C'est plus joli. Voilà, regarde comme c'est beau là. Voilà, regarde-moi ça. Incroyable. Alors, comme je te disais, le programme du jour consiste tout simplement à récupérer le volcan aussi, ça peut être pas mal pour avoir un peu de charbon de bois. Et j'ai pas de place dans l'inventaire. Bah oui, tu m'étonnes. Un deuxième coffre. Allez, soyons fous. Un deuxième coffre. Débarras, parce que là c'est plus possible. Donc on va aller miner les potes. Déjà on va fabriquer du stuff diams. On a plein de trucs à faire. Déjà on va procéder logiquement. On va mettre un deuxième coffre ici. Non mets-le bien s'il te plaît le coffre frérot. Hop allez il fait de la place. Merci. Ok il est temps de se libérer de la place dans l'inventaire. C'est plus possible. Ah voilà on respire enfin un peu là. Hop hop la laine. Ouais bon pour l'instant on a un lit. Ça viendra après. Le poisson. Ouais. Ça on peut fabriquer des bouquins maintenant. Voilà. Voilà comme ça on commence notre table d'enchant. Voilà ça libère de la place. C'est pas plus mal. Tout le monde est gagnant. Alors, dans l'option débarras,
on va juste récupérer tout ce qui est bloc inutile, mettre ça là-bas, voilà. Ça, on l'a toujours pas mis au four, c'est vrai, en plus, on va utiliser ça. Tu sais quoi, on va fabriquer les fours rapides maintenant. Où est passé mon fer? Je l'ai pas rangé, mon fer, quand même. Ah, j'ai rangé mon fer. Ah ouais, ah bravo. Allez, deux fours classiques, regarde, on a pile ce qu'il faut, hop, hop, et hop, voilà, deux fours rapides. Ok, comme ça, on met ça dedans, il était temps, quand même, depuis le temps qu'on trimballait ce fer avec nous. Et le reste va aller dans le coffre débarras blocs. Voilà, ça va être le coffre débarras blocs. Alors la bouffe va aller dans l'autre coffre par contre. Et tout ce qui va être minerai, ça va être là-dedans aussi. On va ranger les minerais là. Comme ça, on s'y retrouve un petit peu dans l'histoire. Ça, c'est le truc item. Ok, pareil, les deux pioches là, c'est juste pas possible en fait. C'est juste une blague en fait. Voilà. Alors, maintenant, si on s'en fabriquait un plastron, qu'on améliorait ce plastron dans la table d'amélioration qui est dans mon inventaire, c'est-à-dire ici, on va dodo aussi. En vrai, j'aime bien cette aventure. On est posé, on a énormément de stuff grâce à l'avion. Faut dire merci à l'avion parce que je pense que c'est incroyable. N'hésite pas à dire merci à l'avion dans les commentaires. Et n'hésite pas à noter aussi, tiens, cette map, le crash et tout, tu vois comment c'est réalisé et tout. Attends, d'enlever le feu ici. Attends, lance, tu cliques droit. Ah oui, avec une pelle, on s'embêtait avec l'eau, nous. J'ai oublié que c'était une pelle. T'as dû me le dire en commentaire. Et bah, n'hésite pas, tiens, à noter l'avion, comment il est stylé, etc. Enfin, le style de l'avion, etc. Donc, n'hésite pas à noter sur 20. Moi, je dirais un bon 17 sur 20, c'est quand même très bien fait. N'hésite pas à noter maintenant. Allez, gérer les commentaires, fais-moi plaisir. Note maintenant, frérot. Alors, les bouteilles d'XP, tiens, ça, on va pouvoir peut-être les balancer histoire de. Déjà de gagner en niveau, puis surtout de libérer la place. Par contre, c'est dommage, on peut pas les lancer vite comme dans l'autre version. Là, on est pas en Java, on est en Bedrock. Et c'est lent en Bedrock. Dans l'autre version, tu peux spammer pour les balancer très vite, ce qui est très pratique en fait, on va pas se mentir. Là, par contre, ça prend une éternité de balancer une bouteille. Par contre, j'avoue, il y a un truc qu'il faut qu'on farme absolument. Il faut absolument qu'on trouve du cuir. J'ai une idée pour ça. Et de la canne à sucre aussi, tiens. Ça aussi, c'est important. On n'a pas trouvé de canne à sucre. Ce serait pas mal pour farmer tout ce qui va être le reste des bouquins en fait, je t'avoue. Est-ce qu'ils avaient pas de la canne à sucre au village? J'hésite à aller voir, j'avoue, vite fait. Ok, on est niveau 30 avec ça. Voilà. Alors, c'est pas le plus rapide, je suis d'accord, mais il faut les utiliser. Hein. Ces bouteilles, elles prennent de la place dans l'inventaire. Ça n'a absolument aucun intérêt. Au moins, comme ça, on fait du sport, tu vois. On fait un petit footing là, tu vois. Ça court un peu, tranquillou. J'arrive bien à trouver la canne à sucre, comme ça, on commence à implanter. Alors, pour le cuir, on ne s'inquiète pas, même s'il n'y a pas de vache. En vrai, on peut toujours aller tuer les piglins dans le nether. Tiens, d'ailleurs, d'autres stuff qu'on va fabriquer aussi. Par exemple, une épée, ça pourrait être sympathique. Je t'avoue que le trident, c'est sympa, mais je suis plus fan d'une épée quand même. Hein. Entre nous, c'est plus sympathique, voilà, d'avoir une épée comme ça. Et d'ailleurs, pareil pour les outils ici et ici, on va les fabriquer également en diamant et donc en netherite, forcément. Hop, parce qu'on va les évoluer immédiatement. Ok, là, ça nous met très très bien. D'ailleurs, littéralement, les outils les plus puissants du jeu. Ils sont pas enchantes, mais c'est les plus puissants quand même. Ok, en termes d'armure, d'ailleurs, il me reste 6 diamants. On va économiser le reste, hein, pour le moment en tout cas. Réfléchissons au programme. Réfléchissons au programme. Le programme champ, c'est pas le plus urgent. On va le faire, mais pas tout de suite. D'abord, ce qui serait intéressant pour le programme, déjà, c'est récupérer un peu plus de bois. C'est de récupérer. Du cuir et de quoi faire de la table niveau max, ça peut être broken. On en a besoin. On en a besoin. Donc, on va aller voir s'il n'y a pas de la canne à sucre quelque part déjà sur cette map. En ce qui concerne les vaches, on va ici aussi. Oh, l'eau. What? Ah non, il n'y avait pas d'eau ici. Ok. J'étais en mode l'eau a disparu ici. Non, mais il n'y avait jamais eu d'eau en fait. Et on en profite pour éteindre les incendies que j'ai pas éteints ici, puisqu'il y en a pas mal à l'arrière de l'avion. C'est vrai que j'ai pas trop regardé l'arrière de l'avion. Il est vrai, je dois avouer. Hop. On n'a pas trop fait gaffe à l'arrière de l'avion, mais en vrai, ça a l'air. Il y a un morceau d'aile ici. Voilà, j'en profite pour éteindre incendie, écoute, voilà, c'est plus roleplay. Si l'avion n'est plus en feu, c'est quand même un petit peu mieux. Après, il y a un truc dans l'arbre là-bas, je sais pas si t'as vu, il y a un morceau d'aile dans l'arbre qui brûle. J'ai la flemme, j'ai énormément la flemme d'aller voir. Mais au cas où tu te poses la question, si tu vois de la fumée, c'est qu'il reste le truc dans l'arbre que je n'ai pas éteint. Morceau d'aile ici aussi, voilà, très bien. Tiens, on a rien manqué à l'arrière de l'avion, parce qu'il me semble pas avoir fouillé ici. Attends, est-ce qu'on a accès à la soute ici ou est-ce qu'il y a. Alors, il y a une soute, mais il y a rien dedans, ok. Et là, c'était la partie, tu sais, l'arrière de l'avion, il y a des toilettes, il y a la partie ici, c'est bien fait quand même. Oh ouais, par contre ça j'avoue, bien fait d'aller voir. Des seaux, du. Ah, des bouquins. Oh là là, le jeu il nous aime. Oh là là, mais quelle idée. Oh, des underpearls à volonté, du pain à volonté, des pommes. On prend tout parce qu'on a de la place. Oh, le jeu il nous aime. Tu te rends compte ce que le jeu vient de nous offrir là quand même? Je sais pas si tu te rends compte. Hop. Il nous a quand même offert tous les bouquins alors que j'étais parti chercher de la canne à sucre. Alors on va quand même chercher de la canne à sucre parce que c'est toujours utile. Mais là on est trop bien en fait. Par contre il va nous falloir du bois. Alors, déjà tu sais quoi, on va manger de la tarte parce que ça me nourrit mieux que le mouton, je crois. J'ai un doute, mais bon, on peut manger de la tarte quand même. Hein. Tout ce blé là, vous. Bon après c'est pratique si on a des vaches, ouais, on sait jamais. Ça on peut laisser là parce qu'on a plus de netherite pour l'instant. Alors je vais casser quelques arbres. Oh, ça casse vite, hein. Histoire de récupérer du bois.
bois parce qu'on va en avoir besoin. Là, on va avoir besoin du bois pour fabriquer un maximum de bibliothèques. Et on va s'enchanter, hein. Niveau 30, là, on va se faire plaisir. Ah non, on n'a pas de lapis azulis. Ah là 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 là, il va falloir récupérer. Alors, cet arbre-là, j'aurais pas dû commencer à le casser parce que, comme tu peux le constater, c'est un arbre customisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les feuilles ne vont pas despawn facilement et qu'il faut casser le reste comme ça. Et là, ça va même pas despawn, je parie. Oui, parce que c'est posé à la main. C'est une règle. Quand tu poses les feuilles à la main, elles ne despawn pas. C'est pas considéré comme des vraies feuilles. J'ai pas mon briquet avec moi. Ah, j'ai mis où le briquet? J'avoue, ça aurait été pratique. Là, parce que là il y a la moitié de l'arbre traîne ici. Bon, après c'est pas grave, hein. En soi c'est pas grave, mais bon. Est-ce que j'ai pas ma cisaille? Non, j'ai pas ma cisaille, mais je peux en fabriquer une. Donc ça, tu vois, tu fais ça. Voilà, le ménage, frérot. Hop, alors par contre, attends, parce que là, ouais, peut-être casser ça. Ouais, j'aime pas laisser des morceaux d'arbre qui traînent comme ça. Je trouve ça pas logique. T'as un arbre comme ça, il flotte sans raison. Voilà. Ouais, parce que c'est un arbre custom, c'est ce que je te disais. Du coup, comme c'est customisé, ça ne va pas despawn. C'est une règle, faut le savoir. Dans Minecraft, si tu poses des feuilles à la main, elles ne despawn pas ensuite parce qu'elles sont pas considérées comme des feuilles naturelles d'un arbre. Alors, c'est bon, voilà. On a tout cassé. En plus, ça faisait beaucoup de bois. C'est pas plus mal. Ça a fait beaucoup de bois. Alors, par contre, toutes ces feuilles, les potes, ça nous servira à notre cabane. Hein. Si on fait une cabane à un moment donné, ça nous servira. Mais là, j'avoue, waouh. Waouh, 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 waouh. Pourquoi est-ce qu'il y a de la terre? Comment est-ce possible? Attends, on va mettre un morceau de bois. Tiens, d'ailleurs, la terre ici, on va s'en servir pour péter ici. Voilà. Bon, j'essaie de ramasser un peu ce qui traîne, les potes. Après, je vais pas mentir. Ça va se ranger là-dedans. Hein. Ok. Alors, avec tout ce bois là, normalement, on en a largement assez. On est d'accord. Soyons pas fous quand même. Non. Merci. Non. Allez, c'est parti. J'en veux combien? J'en ai déjà 2. J'en veux 13, hein, du coup. Hein. Ouais, j'en veux 13. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai pas assez forcément. Enfin, c'est 8 ici, voilà. 9, 10, 11. Donc, on est à 11. Un peu plus de trucs. 12, 13. Normalement, niveau 13, ça en fait 15 au total. Normalement, on est au niveau max. On va tester ça ensemble, les potes. Hop, voilà. On vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle. Voilà. Alors, c'est niveau combien? C'est niveau 30. Par contre, les enchantes proposées sont à Sharpness 4, mais c'est pas le bon item. Ah oui. Ah, Sharpness 4 là aussi. Ah, par contre, on a pas de lapis azulis. Bah, tu sais quoi, il faut aller miner. Allez, voilà un bon programme. Il faut qu'on aille miner. Ça, ça servira plus tard. Alors, attends, on a dit tout ce qui est minerai, ça va ici. Oui. Le fer, je garde avec moi. Ça, on peut ranger ici. Oh non, ça, c'est de l'autre côté. Quoi. Faut qu'on arrange un peu les coffres. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, ça, garder. Parce que c'est utile pour faire du charbon de bois. Au cas où on n'en trouve pas, mais ça m'étonnerait. Quant au reste ici, je regarde s'il n'y a rien d'important pour une aventure. On a de quoi faire spawn des chevaux, c'est vrai. Attends, on peut avoir un cheval en vrai. Attends, attends, attends. C'est vrai que là, on peut avoir un cheval. Moi, j'aime bien les chevaux qui ressemblent à Spirit. Est-ce qu'on va en avoir un? Oui! Est-ce que t'as déjà vu Spirit des Talents des Plaines? Est-ce que tu as déjà vu ce film incroyable? Oh, c'est bon. Oh, c'est rapide en Bedrock! Oh, la vie! Alors, par contre, on revient ici. Attends, je vais prendre ta selle. Est-ce que t'es rapide? J'espère que t'es rapide. Hein. Pas sûr qu'il soit rapide. On va essayer. Hop, allez, c'est parti. Oh, pas mal! Pas mal! En vrai, c'est peut-être Spirit des Talents des Plaines. Hein. Hop, voilà, une armure en diable, Spirit. Tu l'as mérité. Alors, par contre, il nous faudrait une laisse. Je sais jamais comment fabriquer les laisses dans ce jeu. Pas sûr même que ça se fabrique. Ok, les potes, ça se fabrique. Par contre, je veux pas qu'il aille n'importe où en attendant. On met des barrières, hein. Ouais, 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 faut mettre des barrières. On va devoir se faire des barrières. Ça tombe bien, on a plein de bois. On va le mettre dans un enclos en attendant que j'ai une laisse. Parce que j'ai pas envie qu'il se balade n'importe où. Je pense que t'es d'accord avec moi. Ce serait dommage de perdre Spirit. Ouais, ici aussi. Voilà. Donc, comme je disais, hop, allez, hop. Alors, Spirit, t'es où? Arrête de bouger, mon grand. On va te fabriquer un petit enclos. En vrai, il va pas être si petit que ça parce que j'ai quand même beaucoup de. Voilà, de barrières. Viens, allez. Non, tu sautes et tu restes là. Voilà. Et nous, pour sortir, il faudrait qu'on fasse une porte barrière quand même. Ce serait plus logique. Alors, il y avait des slimes dans l'avion. Ça tombe bien, c'est un des ingrédients de la recette pour le. Pour la laisse. Là, je vois ça dedans aussi. Ça, ça reste avec nous quand on tombe sur des bouquins de ouf. Ça, ça reste. Ça, ça change. Ok. Ça, je reste. Je garde plutôt. Parlons français. Ça, je garde. Ça, c'est bon. Le reste a son utilité. Bon, alors, Spirit, il est là. On va quand même se fabriquer une barrière de sortie. Attends, plus de bois. Donne-moi plus de bois, en fait. Ouais, j'avoue. Donne-moi juste plus de bois. Comme ça, je fais ça. Et comme ça, je fais ça. Voilà, super. Ensuite, normalement, c'est l'inverse. Comme ça, t'as une porte barrière. Voilà. Comme ça, quand on veut récupérer Spirit, on a une porte ici. Voilà. Ok. Il y a d'autres chevaux, c'est vrai. Pour l'instant, on va les laisser se balader. Normalement, ils sont pas attaqués, les chevaux. Donc, il n'y a pas de soucis. Bon, il commence à faire nuit, vite fait. On va aller dodo avant. Quoique, en vrai, s'il fait nuit, il y aura moins de mobs dans les mines. Hein. Ouais, c'est peut-être mieux, en fait, finalement, d'aller miner maintenant. Alors, dès qu'on trouve un petit peu de fil, on est bien. L'arc est, ouais, l'arc pas mal cassé quand même. Ah oui, non, mais on peut pas enchanter, c'est vrai. Il faut absolument qu'on trouve du lapis azulis. Donc, c'est parti, les potes. On a un petit programme qui nous attend. Direction les mines. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est pas le fer. On en a partout. Il en reste encore plein dans l'avion que j'ai pas ramassé. Enfin, sur l'avion que j'ai pas ramassé. Par contre, le charbon, j'avoue, oui. Attends, il y a du diams aussi. Non, mais attends, c'est une blague. Mais cette map est ultra généreuse, en fait. Hein. C'est incroyable. Hein. La map la plus généreuse du monde. Hein. Il faut le dire. Hop, voilà, très bien. Ici, casse là-bas. Ici,
Juste ici, tiens. Et si on grimpait un petit peu? Voilà. Alors, je vais grimper un peu, histoire de récupérer. Bon, il y a un petit peu de fer qui est tombé, c'est pas grave. On peut ramasser un peu de fer, c'est pas ce que je voulais, mais bon, écoute, c'est pas grave en soi, hein. C'est pas grave en soi. Alors, ici. Bon, aussi, ici. Là aussi. Là aussi, très bien. Bon, alors, on en a pas mal. En vrai, on en avait zéro, on n'avait pas trouvé. Hein. On avait trouvé zéro. Je veux dire, on avait zéro trouvé, mais c'est pas très fait. Voilà, parfait. Waouh, 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 waouh. Wow. Attendez, on avait pas dit qu'il y avait des richesses de ouf. Qu'est-ce qui se passe encore dans cette mine? Alors, ici, très bien. Merci. Oh, encore du diamant. Bah, franchement, le diamant, c'est pas quelque chose qui manque dans cette map aujourd'hui. Bah, c'est pas pour nous déranger, bien au contraire, on est bien content de ça. Oui, il y a énormément de tout, en fait, finalement, hein. On peut le dire comme ça, il y a énormément de tout, voilà. Il y a du charbon au plafond, il y a de l'or au plafond, il y a énormément de trucs. T'es pas assez haut. J'essaie de récupérer le charbon qui traîne, les potes, comme ça, on est tranquille, on en a que 27. En vrai, on n'en a pas trouvé tant que ça. Autant le fer, j'en prends pas, tu vois, parce que, bah, il y en a trop. Il y en a déjà trop chez nous. Bah, surtout, l'avion est fait en fer, on peut le casser à volonté, donc, ouais, il y a beaucoup. Attends. Là-haut, c'est un peu haut, on va pas tout casser non plus. Waouh, voilà, hein, comme si on manquait de ressources un petit peu. Bah, en fait, non. Les émeraudes aussi, il y a encore un lit, il y a encore quelqu'un qui vivait ici tranquille, ok. On n'est pas le premier survivant de crash d'avion ici, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de collègues qui se sont crash avant nous, hein. Parce que là, ça a pas l'air d'être très indigène. Ou alors, c'est les indigènes qui vivent ici. Mais en vrai, on a vu leur construction au village, ça ressemble pas à ça, hein. On dirait que là, c'est un aventurier qui a construit sa cabane pour survivre un peu. Attends, combien de diamants j'ai? 10? Ah oui. Attends, on va pouvoir se mettre full diams en fait. Quoi. Par contre, pas full netherite parce qu'on a plus de netherite. Enfin, pour le moment, en tout cas. Faudrait dans le nether pour en récupérer de nouveau. Ouais, ce sera pas simple. J'ai de ramasser ce qui est à portée de ramassage, on va dire, les potes. Voilà, notamment charbon ici. Mais surtout, j'essaie de voir s'il y a pas du lapis azuli parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse le plus. Par contre, il y a zéro mob parce que c'est bien éclairé. Et aussi parce qu'on est nuit. Du coup, ils spawnent à l'extérieur. Hop. Bon, c'est pas grave, on va trouver des araignées à l'extérieur. Il y en aura bien des araignées qui se baladent. Il y aura bien quelques petites araignées qui se baladent, non? Alors, waouh, quantité de diams qu'on trouve par seconde, c'est impressionnant. Ça en fait 17, c'est exactement ce qu'il me faut. Hein. Il me faut 7 pour le pantalon, 4 pour les bottes, ça fait 11. Donc, ouais, on est large. Hein. Il reste du diamant pour la table d'enchant. Bah non, c'est bon, là déjà. Bah, en fait, il reste du diamant pour rien, en fait, parce qu'on n'a plus besoin de diamants après ça. Alors, waouh, 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 waouh. Il y a un portail. Il y a un portail du nether. Donc, le portail est déjà là. Il y a quoi ici? Là, c'est une vraie galerie de minage, c'est ça. Il y a du bois. Comment est-ce possible qu'il y ait du bois? Il y avait un mineshaft ou. Il y a un mineshaft ou. Alors, il y a quoi ici? Là, c'est juste une. Ok, une vraie galerie. Ok, là, j'ai l'impression qu'on passe dans les vraies mines. Jusqu'à présent, c'était customisé. Là, on dirait que c'est une véritable mine. On va se faire plaisir. Écoute, il y a du charbon qui traîne ici. Pas dire non, hein, franchement. On va pas dire non à ça, les potes. Alors, ici, encore du charbon. Ok. Je vais aller voir ce portail du Nether d'un peu plus près. Par contre, pas de lapis azuli. Pour l'instant, hein. Je dis bien pour l'instant. Je crois que le charbon, ça va être bon pour un moment. On en a combien là? Ah oui, 64, 30, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est bon pour ça. Oh, il y en a encore ici. Allez, on prend ce filon là, on n'en prend pas plus. On va aller voir les potes. Je vais voir s'il n'y a pas de lapis azuli ici. Hein. C'est pour ça qu'on est parti dans la galerie sans hésiter. Parce que pour l'instant, en tout cas, je dis bien pour l'instant, je n'en vois pas au niveau de la route principale. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça se trouve, il y en a. Hein. Ça se trouve, il y en a. Hop, je vais récupérer ça, merci. Attends, c'est bon, hein. Presque deux stacks, hein. Allez, juste ça. Oh, j'avoue, on dit ça, mais bon, écoute. On en avait pas. Pour le coup, c'est le seul truc qu'on n'a pas trouvé, tu vois. Le reste, on en avait masse. Notamment le fer. Autant ça, tu vois. C'est ce qui manquait comme ressource. Bon, on va remonter. On va remonter. Ça, je vais en prendre aussi parce que j'aime bien. Et surtout, on a des trous à compléter au niveau de la base. Et vu qu'on a une pelle littéralement du futur. Ah, du gravier, tiens. C'est bien pour les flèches, ça aussi. Hop. Attends, j'ai déjà beaucoup de ressources. Ouais, j'ai déjà beaucoup de ressources. Mais il y a des trucs qui servent à rien. Dont on peut se débarrasser pour faire de la place. Notamment ça. Notamment ça. Notamment ça. Et les deux de terre, ça sert à rien. On va juste prendre un stack pour le moment. Il y a encore. Oh, salut toi. Hop, allez, viens. Donne-moi ton fil. Oui, merci. Combien de fils j'ai? Ok, on a presque de quoi faire. Eh bien, la laisse pour le cheval. Ça évite de le mettre dans l'enclos, en fait. Après, on peut le mettre aussi dans l'enclos. Hein. Ça marche très bien l'idée de l'enclos aussi, en vrai, hein, quand j'y pense. Hein. La laisse, c'est juste plus pratique, d'une certaine façon. Par contre, est-ce qu'il y a du lapis azuli? Non, hein. On est d'accord. Hein. Du diamant, oui. Là, on a un hôtel sacrificiel avec une pioche de ouf. Waouh. Ah, bah voilà. Moi qui disais, ouais, on pourra pas utiliser la netherite. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, voilà. Le diams, oui. Les pommes, oui. Par contre, mon casque, il est giga enchant. J'ai pas envie de le perdre. Faudrait que je retrouve la netherite aussi d'une autre façon. Est-ce qu'on pourrait avoir. Donc là, ok. Y a pas de lapis azuli qui traîne sur les murs et tout. Non, j'ai pas l'impression, hein. Attends, peut-être ici par sécurité. On va juste transformer ça en obsidienne. On a de l'obsi, du coup. Ah, voilà, je me disais bien qu'il y avait des indigènes. Salut. Attends, il y en a rien. Il y en a rien, je l'entends. Évitons d'être attaqué par surprise. Ok. Il drop des trucs, ok. Mais là, on a le portail du nether. Les masse mob aussi qui promène. Il y a encore 1 milliard de diams ici.
ici, pourquoi pas. Non, meurs, bon, pas grave. Dis donc, il y a du meuble là, hein. Ok, c'est bon, j'ai le diamant, combien j'en ai? 1 milliard, 45 j'en ai. Enfin, j'en ai 45. Y a pas moyen, les potes, salut toi, d'avoir juste un peu de lapis-lazuli, on a la bonne hauteur et tout. Quand même, c'est pas un truc rare, normalement, enfin, je veux dire. Comme ça, je peux enchanter quand on repasse à la maison, tout le monde est content. Après, c'est peut-être parce que c'est customisé, hein. Ça se voit que c'est customisé, les spawns sont... Enfin, tu n'as pas autant de diamants de base. Ça se voit que ça a été posé à la main, tu vois, toutes ces galeries-là. Je pense que c'est pas des vraies galeries. Ok, les potes, j'ai trouvé une vraie galerie, semble-t-il, et... Ah, voilà! Bon, alors, je sais pas combien il y en a, mais au moins, il y en a. Ok, il y en a un petit peu. Attends, si on enlève l'eau. Voilà, merci. Ça va tellement être plus pratique. Ah, bah voilà, on en a un petit peu, là. C'est cool. C'est cool. Alors, de retour à la base, on va pouvoir enchanter, les potes, eh bien, nos items. Et on est full presque netherite, à part le casque. À part le casque, en effet. Tu veux quoi, toi? Bon, allez, hop, merci. Donc, déjà, il faut ranger des trucs, parce que là, c'est comme d'hab, j'ai envie de dire. Déjà, attends, ça peut aller dans le four. Ça peut aller dans le four. Ah, j'avais pas mis assez de charbon. Bah oui, évidemment. Forcément, voilà. Ensuite, l'enclume pour revenir ici. Ok. Ça, ici. Ouais, il y a plein de trucs, les potes. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Les blocs, ici, ici. Attends, on va en garder 64, mais pas plus. Ça, on va en garder une. Non, j'ai dit une avec nous là-bas. Le reste là-bas. Ça, on s'en fiche. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Les items forts, minerais et compagnie, on a dit, c'était là. Voilà. Le charbon, c'est pareil. On en garde 64 avec nous. Hop. Ça, on avait dit, c'était pour reboucher. Voilà, ça. Ça, il y avait ça dans la base. C'était énervant d'avoir des trucs comme ça. Voilà, c'est quand même plus sympathique, je t'avoue, de pas avoir, voilà, de mini tranchées dans la base. Ça, normalement, si tu fais... Ah non, bah, c'est pas le bon outil. Non, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est une houe. Après, avec l'eau, ça marchera pas, de toute façon. Bon, déjà, tout ça, c'est pas mal. Ça, on va garder avec nous pour l'instant. Je voulais donc enchanter, les potes. J'ai rangé le... Non, je l'ai. Allez, c'est parti. Je voulais enchanter ça avec Sharpness 4, Breaking 3, Looting 3, Knockback 2. C'est incroyable tout ce qu'il y a eu dessus. Breaking 3, j'ai peur que ce soit pas le bon truc. Smite 4, certainement pas. La marque Breaking 3, Power 4, Infinity 1, génial. Faudra le réparer, par train. Attends, tu sais quoi, on peut le réparer maintenant. C'est pas grave. Au pire, on fabriquera la laisse après. Le cheval est très bien dans son enclos. On va d'abord réparer ça parce que je t'avoue. Attends, est-ce qu'on l'enchanterait pas d'abord? Ah, est-ce qu'on est pas malin? Est-ce qu'on l'enchanterait pas d'abord? Comme ça, on voit ce qu'il donne. Punch 1, juste punch 1 pour 30 niveaux. Vraiment, frérot. Ok. Et ensuite, on fusionne ici. Voilà, comme ça, on le répare et il a punch 1. Ok. Et on a flèche infinie, donc on peut s'amuser à tirer parce qu'on a flèche infinie. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut enchanter d'autre? C'est une fortune 3. Ah, c'est juste fortune 3. Sérieux. Sharpness 4, touch. Breaking 3. Efficiency 4. Ok. Ok, on va tenter. Ça, t'inquiète pas, on rajoutera efficiency avec une autre pioche. Ou avec un bouquin plutôt. On est pas mal. Bon bah c'était tout simplement le premier épisode de cette aventure survivre à un crash d'avion dans Minecraft. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, abonne-toi, petit pouce bleu, active la cloche et lâche ton meilleur team capitaine dans les commentaires. Très très important, je t'invite à regarder une autre des vidéos qui s'affiche sur ton écran. Regarde ton écran, il y a des mêmes vidéos. Allez, clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre des mêmes vidéos. Je te dis à tout de suite.